Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue sur TV du peuple RD Congo, une télévision qui a toujours été là pour vous informer, une télévision qui a toujours été là pour faire l'autopsie de la situation politique congolaise, mais aussi répondre aux questions questionnantes de notre peuple. Mesdames et messieurs, voilà, tel est notre objectif. Donc, où que nous soyons, nous sommes obligés de vous informer. Dans laquelle aujourd'hui, vous allez remarquer que tout simplement, je ne suis pas au studio, mais je suis quelque part. Alors, comme je suis obligé de vous informer, raison pour laquelle je suis dans l'obligation de vous faire une petite vidéo de 12 ou 15 minutes pour vous permettre d'être au parfum de la situation congolaise, mesdames et messieurs. Voilà, où que vous soyez, te plus bien sur Mbote, Djamboyenou, Mioyenou, Mbote Nabino, Mbote Nabeno. Nous avons appris à vous informer, mesdames et messieurs, par rapport à la situation où vous avez le Ganambo Ganabiso. Mesdames et messieurs, l'isola lelo est que l'arrestation du pasteur Ngoyi Mulunda depuis le bilanzi, bilongo Ngoyi Biango, et bandaki nenge nini, pe tozo kene nango wapi. Donc, peut-être l'isola est un informateur bâti du Kwebo, juste nango ngamouke seulement. Peut-être que le Kambo a insécurité dans le Lubumbashi. Mesdames et messieurs, le pasteur Ngoyi Mulunda Azalaka, président ya CENI, binomo kopoyi bi mboka na biso. Mais depuis mandat na ye sila, le pasteur Ngoyi Mulunda a comme trop attaché na ancien président de la République Joseph Kabila Kabange ou le président honoré. Motif d'arrestation du pasteur Ngoyi Mulunda parce qu'il prêchait dans l'église naïe jour ya commémoration ya liwa ya Moïse Laurent Désiré Kabila bilomo kuboyebi abanaki kotena église naïe que soki bolingi katanga etikala en paix to katanga ekatana te. Vous devez respecter Joseph Kabila Kabange et sa femme malobana yango wana. Et bandi boni, pasteur Ngoyi Mulunda, abanda kote ya, le kambo ou etali, ba individu, au lieu de prêcher la parole de Dieu. Parce que tu es bien église, tu es bien na koyoka le lobanzambe. Mais le lo, ba komi kolongwa, nanzela ya nzambe, ba komi kokota na makambo politique. Ya ba individu. Chose étonnante, lorsque les pasteurs Ngoyi Mulunda prêchaient, on brandissait les drapelets des soi-disant Katanga. Mesdames et messieurs, bino moko boyebi ke baba kingwa kumwanza azalaka na Katanga lokola pionnier munene oyo aza ko soutenir chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est parmi les gens qui font ce qu'il tribalisme et à éradiquer la Katanga. Mais le lo, bakangi pasteur Ngoyi Mulunda, parce qu'il y a manaki ko sala mabe, a manaki ko inciter bato na haine tribale. Bakangi, peuple le choix, batomboki, balobi, vous devez libérer immédiatement le pasteur Ngoyi Mulunda. Balobi a sala ki mabeti. Baba Kungwa Kumwanza, il n'y a pas une semaine, il a alerté le peuple congolais disant qu'il y a des jeunes drogués qui veulent déclarer l'indépendance du Katanga. Or, les Congolais, nous sommes censés yakutikala unis. La question, mesdames et messieurs, qu'il faut se poser, est-ce que si ma ya pasteur Ngoyi Mulunda na si ma ya bakataratanga, ezala mutu o eza kotinda bango to eza bango moko. Courage nini pasteur Ngoyi Mulunda akobota pour ça la déclaration forte ya boye. Courage nini bakataratanga to ba jeune katangé bakozwa po ba déclarer indépendance ya Katanga, mesdames et messieurs. Donc peut-être il y a quelqu'un qui tire le ficelle derrière ces gens. Je me demande où est l'autorité de l'État. Or, devant des situations pareilles, l'État doit se montrer fort
doit imposer des décisions, doit prendre des décisions draconiennes pour contrecarrer, pour déjouer ces plans machiavéliques, mesdames et messieurs, qui cherchent à diviser notre pays. Quand Baba Kinga commence à monter au créneau disant qu'il y a des jeunes qui veulent déclarer les matchs de Katanga, ils n'ont pas embatté, mesdames et messieurs. Vous savez, Baba Kinga, ils ont monté ensemble, à Moïse Katumbi. Chaque fois, ça va falloir que chef de l'État. Ma bénie soit dénoncée à Kango. Lélo, Pasteur Ngoï Moulunda, hier il était à l'ANR, Lélo Zalaki, il fallait à Zalana parler de justice à Lubumbashi. Il était attendu à parler de justice à Lubumbashi, mais le choix, tonna qui n'a pas parlé de la justice à Lubumbashi, il a dit qu'il n'y a pas de biba collé. Mesdames et messieurs, quand j'ai suivi ça, je me suis dit que je rappelé que je suis en 1992-1993. C'est-à-dire qu'il y a un refoulement du peuple kassanien, un peuple louba, dans le Katangé, mesdames et messieurs. Babengana ka peuple katang et peuple louba, peuple kassanien, en 1992-1993. Et on chantait la chanson Biba Kolé. Biba Kolé, Biba Kolé. J'étais au Katanga, mesdames et messieurs. J'avais vécu cette scène écœurante. Bato akufa ka ebele. Bato abungisa bandako. Bato abungisa mapangu. Mituka, bambongo, bana bakufa, batata bakufa, bamama bakufa ka boui. Parce que babengana ka bakasa na Lubumbashi. To la katanga bobingo. Menzembo bandako yemba ya bibakole. Nenzembo bandako yemba lelo na palo de justice par les katangé. Parce que bakangi pasteur Ngoï Moulunda. C'est-à-dire que la mitou na bango baso kan sa lisusu li kambwana ki réformer faut ça malisusu. L'État doit montrer que non asa fort. Mesdames et messieurs, on ne peut plus tolérer babuzo bandingo na salama parce que Baba Kyungu était auteur. Il y a réformer ça ma 1992-1993. Mais il avait demandé pardon. Si c'est dit Félix lors de son accession au pouvoir, Nambo Kanabiso, Alobaki aille pour la copinir Batouté et il ne va pas fouiner dans les travers passés. Il a pardonné Batounion surtout, mesdames et messieurs. C'est pourquoi on doit avoir Kyungu Akumanza à trop partager la fête à Félix Tshisekedi. Mais ceux qui battent la balégie basse sous Bouzo Bawana, mesdames et messieurs, ils doivent être punis sévèrement. C'est pourquoi Nazako Sengana, ministre intérieur Gilbert Kankonde, vous devez intimer des ordres pour rétablir l'ordre dans le Lubumbashi tout la Katanga. Voilà ce que le peuple Bazako Zéla, mesdames et messieurs. On ne peut plus tolérer, supporter encore Bouzo Bandingone Salama, mesdames et messieurs, or que Congo, Katanga, ils arrivent à Congo. Kassa, ils arrivent à Congo. Ba Congo, ils arrivent à Congo. Nord, qui vont arriver à Congo. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de tout ça, Bana et Papa Moko, Maman Moko. Pourquoi chercher la sécession du Katanga, mesdames et messieurs? Batouana soit manipulé par quelqu'un parce que bah acte n'ignorant. Nazoka moi l'honorable député Félix Kabangé azako senga libération immédiate ya pasteur Ngoï Moulunda pour na bolan masalaki. Pour la prédication malam wate ki dimanche et pas bandiminaé. Non. Nous devons dénoncer les mal. Nous devons lutter contre les antivaleurs, mesdames et messieurs, contre le népotisme, le tribalisme, contre les détournements des deniers publics, contre les vols, les viols, contre l'insécurité. Nous devons lutter contre ce genre de choses. Mais ceux qui m'ont tossé, ils ont besoin d'encourager, ils ont besoin de casser. Ils ont pas mis, mesdames et messieurs. Ngoï Moulunda, pasteur, hasard, déjà dans la prison à Kasapa et Lubumbashi. Bakangi, il est transféré à la prison de Kasapa de Lubumbashi et sera jugé à la prison. Bako jugé, il sera sans raison. Bako quitté, mais sera sans raison, il va au Kangaï.
Kabila Joseph a fait son temps. Mobutu a fait son temps, avait fait son temps aussi. Laurent Désiré Kabila il passe à la ratanaye. Oh, il s'attend à faire ce qu'il dit. Il veut aussi que tient ordre dans Mboka Nabiso. Tout ce qu'il a étant. Faut pas chercher à embrouiller son pouvoir, son mandat. Et ça, madame Outé, mesdames et messieurs. D'où les gens qui veulent créer bah, des ordres, il faut qu'on punir Bango sévèrement. Information à Moutou et Yangouana pour Nalilou. Insécurité, les lieux comme Nakatanga. Or, tu es pas insécurité, tu es Nakatanga. J'ai suivi le général Yapolis, il y a Lubumbashi, le général Karawa. À Lobi, il y a des brebis égarées. Nakata ba policier na biso, nakata ba militaire na biso. Ces policiers ou ces militaires sont incontrôlés. Raison à laquelle ça n'a pas la carte de la population. Maintenant, il faut autorité à l'État. Et là, qui ça? Makasinaye. Pour la cause, ça ordre, mesdames et messieurs. Voilà, ma camionne, les autres qui ont la tanga. Bino, vous voyez, qui n'a pas la tanga. Tiswaka, Nakasumbale, ça. Soi-disant, Aza, président fédéral, il y a eu de peste Kasumbale, ça. Bana qui peut percevoir. Bah, taxe na frontière ya Zambie illégalement bino moko boyebi Augustin Kabuya aboyaka pe aniaka mutuana lobi toyebi ete il n'est pas membre de l'UDPS. Hier lundi il a été arrêté. Voilà, c'est ça ce que nous avons ça des ordres azala ya UDPS azala ya PPRD azala nini il faut qu'on interpelle. C'est ça même l'objectif, ton mission à chef de l'État, reconstruire l'État des droits. Qu'il n'y ait pas des intouchables dans notre pays, mesdames et messieurs. Voilà, Union Sacrée, Balobi, Katumbi veut renégocier. Pour la remettre à l'Union Sacrée, vous avez suivi l'honorable Nzangi Mouindou, Sitop Congo, Imo Kaloba, qui est non, l'Union Sacrée, et l'Ensemble pour le changement, quitte l'Union Sacrée parce que quand il y a des charges dans la banque, il y a qui prise en compte. Or, dans le bas, ceux qui ont besoin pour un poste inutile, il faut laisser seulement, il faut rester là que vous êtes. Parce que l'Union Sacrée est là pour faire évoluer mon abus, pour faire développer mon abus. Mais si vous venez avec l'esprit des postes, chercher des postes ministériels, c'est dommage, mesdames et messieurs. L'honorable Eléjar Ntamboué Alobi, Moïndo Nzangi, Makambaloba, qui est allié Moko, est allié ensemble d'été, parce que Moïndo Nzangi n'a ni porte-parole à Musique Katumbi, ni porte-parole à Ensemble pour le changement. Le porte-parole à Musique Katumbi, c'est Francis Kalombo, mais il n'a rien dit jusque-là. Mais tu dis que non, Union Sacrée, Musique Katumbi veut renégocier ma soleil Union Sacrée pour Azonga. Parce que déjà, mon ami, le député Bélé, Claude Lubaya, il y a des listes Sanga, Bakomi Kolongwa, va s'engager dans ma campagne Union Sacrée pour n'abolir ma peuple congolais. Ah, Félix Tshisekedi. Mesdames et messieurs, voilà Tokoyeba ce qui va se passer parce que l'honorable Ntamboué Eliezer à Lobi, il y a probabilité, il y a rencontre de Soussia Moïse Katumbi, Bemba, na Tshisekedi pour n'abolir la ma campagne Union Sacrée pour l'intérêt du peuple. Si vrai, trop bête à ma boucle. Mais s'ils veulent, ma kambaba poste, des conditions posées dans la chef de l'État, à Bouya, ma kambouana, ce n'est plus le moment où ça se bat à Boukonzi. C'est le moment de travailler pour le peuple ACP là. Parce que le peuple ACP, il y a pas qu'en 2023, soit l'élection des Alliés, va voter. Yo. Voilà, mesdames et messieurs, ma kambouana, ils ont kendele. Likambo au Etali battu le coup comme informateur Lielo mardi à sa conférence de presse naïe, mesdames et messieurs à l'obi Union Sacrée chef de l'État et Zawana pour la corrompre avec la mauvaise gouvernance du passé Mboka Ezalaki dirigé Mabé si le chef de l'État lingi Mboka et Zala dirigé na batu oyo baza sincère batu baza honnête batu baza na bolingo Mboka na biso batu balingi développement Mboka na biso batia lobi il faut changer de mentalité changer de comportement pour que Mboka na biso malam alobi batu oyo baza ko makamba élection 2023 ce sont des flatteurs baza il faut batika makambo wana
Parce que ce n'est pas encore le moment de déclarer. Mais bien, on a dit qu'on a. Dès le moment de la musique. Avis, c'est un des flatteurs. Attendons. Demain, mercredi, il commence les consultations. Il va consulter les présidents. Il y a un regroupement politique. Il y a un parti politique. Il y a un leader politique. C'est demain, mercredi, il y aura des invitations. Il va consulter les gens. Et on verra les rapports qu'il va déposer à la fin du mois et qu'on peut s'habiller son ini. Parce que tu dis que non, il y a trois combos. Sous la table du chef de l'État, il y a combo Christian Mandonsimba, il y a ensemble la République. Il y a combo il y a Liao Jean-Pierre. Il y a PPRD. Il y a aussi combo il y a. Otuzo Kasso qui est Henri Thomas Lokondo. Tozo, c'est la toile, qu'est-ce qui va se passer? Parce que. Liaou, Jean-Pierre, chef de l'État, né au Yaza Kolinga, selon nous tous Yoka. Liaou, Aza, Mwana, il y a ancien cofondateur, il y a IDPS, Akoufa, paix à son âme. Monsieur Marcel Antoine Liaou. Il est cofondateur, il fut cofondateur, il y a IDPS, paix à Zalaka, constitutionnaliste, il y a Mokana Biso, premier président à la Cour de justice, il y a Mokana Biso. Mwana, il y a Jean-Pierre Liaou. Chef de l'État Lingi, à la candidat à la perchoir et à l'Assemblée nationale. Aïe, mais pour n'en a rien à tchaye. Mais, bah, toi, FC, c'est pas ça que vous avez. Vous avez déjà une vidéo précédente, il y a Confrère Nangaï, Saint-Forêt Balandaï, alors il y a ma cambe belé, voilà. Mais, tout ça, c'est là, ma consultation, ma consultation, n'est pas dit, toi, il y a une école, et ma décision, il y a une école. Donc, demain, nous allons revenir pour nous informer, bien, ma cambe, mesdames et messieurs. Mais na pas la bino la vigilant ma kasi pour Congo na biso etikala moko mutu moko te kabola biso mesdames et messieurs que les intérêts politiques ne nous divisent pas soyons toujours unis penza ma pambo la biso. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Donc je vous ai dit que les analystes c'est juste ma information mikela ope sabino pour bébé évolution pour absence de vous mesdames et messieurs. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis de partout. Merci beaucoup à Sephorie Balandaï. Merci beaucoup à mon caméraman Joseph Tumba. Merci beaucoup. Nabino Nyoso. Dieu bénisse le Congo. Et on se retrouve très prochainement. Ciao.